Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de Terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la petite ours. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion, l'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil.
Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les quatre planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Bételgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps, car nous pourrons observer une supernova à une distance proche, mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant un an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Moussafei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'une heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2-18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu. Et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de 2 étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'un million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 Terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule.
toute étoile à neutrons est au moins une fois et demie plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'un an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà! Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de deux motos.
il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a deux étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop ! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est TRAPPIST-1D. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST-1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, il libère plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années. Bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place.
Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable, dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir. Et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de famille. Toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers? Eh bien, leurs noyaux, autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence. Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur? Eh bien, devine quoi? Ils pourraient trop disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, tels qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussières rocheuses. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même.
Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste, car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant, des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance ? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé. Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbure aromatique polycyclique, ou plus simplement une molécule de Happy. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Eh bien, devine quoi ? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures ou dans celle des feux de forêt. Les molécules de HIP sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement, les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments. Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine ? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période ? Ont-elles pu évoluer vers la vie ? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille ? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi ? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photo. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite ? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable ? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendaient pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait ?
ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises, et qui sait quelles autres découvertes époustouflantes nous y attendent. On ne peut qu'espérer en apprendre encore davantage à l'avenir. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire « boum » si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae, de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la septième étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la septième lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de moins 13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de kilomètres heure, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopée Iae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopée Iae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars,
mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche. Car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux ! C'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel, de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil,
Donc, deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Au Moyen Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-états éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la quatrième plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve.
Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cetus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ?»« Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. » Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque. Mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elles. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le grand carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le grand carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Vega, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alpheratz avec Pégase. C'est l'un des coins du grand carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse une fois et demie plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot « miroir », si appropriée dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours.
notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les deux seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. Plus d'un million de Terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des Soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situé aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche.
Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Les collisions stellaires se produisent environ tous les 10 000 ans, et c'est alors un spectacle incroyable. Mais elles ne sont fascinantes à regarder que lorsqu'elles se produisent à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance. Si une étoile entrait en collision avec notre propre Soleil, ce serait un cataclysme global qui ne laisserait aucune chance de survie à quoi que ce soit. Si cela se produit un jour, il est fort probable que ce soit à cause d'une étoile vagabonde. On appelle ainsi les étoiles que la gravité ne lie à aucune galaxie et qui se déplacent de manière indépendante dans l'espace. Une telle étoile est déjà passée tout près de notre système solaire. Pour être plus précis, il s'agissait de 2 étoiles. Son nom, l'étoile de Scholz, soit un système binaire composé d'une naine rouge pesant environ 86 fois plus lourd que Jupiter et d'une naine brune un peu plus petite, mais quand même 65 fois plus lourde que la géante gazeuse. Il y a environ 70 000 ans, ces 2 étoiles se sont approchées de la limite de notre système, le nuage de Oort. Ce dernier est une sorte de bouclier fait de comètes et de corps célestes qui entoure notre système solaire. L'humanité existait déjà à cette époque et avait probablement commencé à se répandre sur la Terre depuis l'Afrique.
Il est donc possible que nos très lointains ancêtres aient remarqué une faible lumière rouge dans le ciel nocturne. Et même si l'étoile de Scholz n'est passée qu'à environ 0,8 années-lumière de nous, son champ gravitationnel a fortement influencé le mouvement des différents corps célestes. Mais que se passerait-il si une étoile de ce genre ne faisait pas qu'approcher notre système solaire, mais se dirigeait directement vers son centre, le Soleil? Les scientifiques disent que cela pourrait arriver dans 1,3 million d'années. Voici Gliese 710. Cette étoile pèse 60% du poids du Soleil et se déplace lentement vers nous. Tout comme ces hommes qui vivaient il y a 70 000 ans, il nous sera possible de voir la lumière de cette naine orange à l'œil nu. D'abord, Gliese 710 s'approchera de notre bouclier, le nuage de Oort. Le champ gravitationnel de l'étoile capturera quelques météorites et les lancera dans toutes les directions. Le nombre de météorites tombant sur la Terre sera alors probablement multiplié par 10. Ensuite, Gliese 710 se dirigera vers les planètes et elle les dévorera une à une, dispersant leurs fragments dans tout le système. Alors que les petites météorites ne nous dérangeraient pas beaucoup, une vraie menace pèsera à présent sur nous. Des éclats de la taille de la météorite qui aurait anéanti les dinosaures nous fonceront directement dessus. L'étoile se rapproche de plus en plus du Soleil. Et si pour une raison ou une autre, nous survivons à l'impact des fragments de nos anciennes voisines, c'est maintenant Gliese 710 elle-même qui nous foncera dessus. La gravité et la température déchireront la Terre. Cependant, il n'y aura déjà plus personne pour assister à ce terrible spectacle. L'humanité aura quitté la Terre bien avant. La Terre, Vénus, Mercure. Gliese 710 s'est approchée du Soleil. La petite étoile tournera autour de la grande, se rapprochant progressivement en spirale. Avec le temps, les deux étoiles fusionneront, et si leur poids total dépasse une certaine mesure, une catastrophe se produira. La température de l'étoile vagabonde augmente et les réactions nucléaires en son sein accélèrent. Peu à peu, la partie interne de l'étoile se réchauffe jusqu'à atteindre une température critique et une supernova explose. En quelques secondes, toute sa substance est dispersée dans l'espace et une puissante explosion va anéantir ce qui reste de notre système solaire. Mais pour l'instant, Gliese 710 se trouve encore à 64 années-lumière de nous et il reste une chance qu'elle change de trajectoire et nous contourne sans danger. Et si deux étoiles moins communes se heurtaient l'une à l'autre? Voici une étoile à neutrons. Elle est très petite, elle ne fait qu'environ 20 km de large, mais son poids est comparable à celui du Soleil. Cette boule est extrêmement lourde. Une collision d'étoiles à neutrons peut générer l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Deux étoiles à neutrons tombent dans le champ gravitationnel l'une de l'autre. Elles se rapprochent progressivement en spirale. Et au moment où elles sont sur le point de se rencontrer, deux scénarios différents sont possibles. Si le poids des deux étoiles est relativement faible, alors, après la collision, leur poids combiné donne naissance à une nouvelle étoile à neutrons. Mais si nos protagonistes sont un peu plus lourdes, alors au moment de se rencontrer, leur poids dépassera le seuil critique. Et cela créera un champ magnétique des billions de fois plus élevé que celui de la Terre. Tout cela se sera produit en seulement une ou deux millisecondes et s'accompagnera d'un éclair aveuglant généré par une courte explosion de rayons gamma. On considère que cet événement électromagnétique est le plus lumineux et énergétique qui soit dans tout l'univers. Un disque sombre apparaît dans la zone où la collision des deux étoiles à neutrons a eu lieu. C'est un trou noir. Les scientifiques pensent que ce genre d'événement est l'une des causes possibles de leur apparition. Les trous noirs ont un poids tel qu'ils déforment l'espace et le temps autour d'eux. Et ils possèdent une force gravitationnelle incroyable. Si un objet s'approche trop près d'un trou noir, il est peu probable qu'il puisse y échapper. Même les photons de lumière, les particules les plus rapides de l'univers, sont incapables de se dérober à leur emprise. Au fait, il y a un trou noir ultramassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il pèserait des millions ou des milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Nous savons maintenant comment naît un trou noir. Mais que se passerait-il si deux trous noirs se rencontraient? Des astronomes ont été témoins d'un tel événement. Pendant environ 7 milliards d'années, deux énormes trous noirs se sont tournés l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. L'un d'eux pesait 66 soleils et l'autre 85. Au moment de la collision, le trou noir le plus grand a absorbé le plus petit et est devenu encore plus grand. Ce nouveau monstre noir pesait 142 soleils. Lors de la collision, une énorme quantité d'énergie a été libérée, équivalente à la masse de 9 soleils. Cette énergie a fait trembler l'univers
et la vibration de l'impact n'a atteint que récemment les télescopes terrestres. Mais dans 4,5 milliards d'années, une collision encore plus importante aura lieu. Notre galaxie entière, la Voie lactée, va se heurter à la galaxie d'Andromède. Bien qu'Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, elle reste notre voisine la plus proche. Notre univers est en expansion et les objets bougent en son sein. Les scientifiques ont découvert qu'Andromède se déplace dans notre direction à une vitesse de 120 km par seconde. Ainsi, dans environ 3 milliards d'années, les étoiles et le gaz chaud de cette galaxie seront visibles à l'œil nu. Puis, au bout d'un ou deux milliards d'années supplémentaires, Andromède viendra s'écraser sur nous. Les deux galaxies se tourneront autour avec un mouvement de yo-yo. Elles s'approcheront l'une de l'autre et se croiseront ensuite à une très courte distance et à une vitesse incroyable. Puis, elles s'éloigneront à nouveau, mais la force de gravité les attirera une nouvelle fois et une autre collision aura lieu. Mais cette fois, elles formeront une galaxie géante appelée Lactomède. Il est difficile de savoir ce qui nous arrivera, ainsi qu'à notre planète. Dans un certain scénario, il se peut que nous ne remarquions même pas les conséquences de la collision. Bien que les galaxies soient pleines d'étoiles et d'autres corps célestes, elles restent principalement constituées de vide. Les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Par exemple, si notre Soleil faisait la taille d'une pièce de monnaie, il se trouverait éloigné de sa voisine la plus immédiate, l'étoile Proxima Centauri, d'une distance égale à celle qui sépare Philadelphie de Détroit. Et cela représente environ 725 km. Il y a donc beaucoup d'espace entre les étoiles au sein des galaxies. Le deuxième scénario possible est celui où notre système solaire se retrouve seul dans l'obscurité intersidérale. Lorsque les deux galaxies entreront en collision et se mettront à tourner l'une autour de l'autre, un grand nombre d'étoiles seront comme catapultées hors de leurs limites. Souviens-toi des manèges des parcs d'attractions. Lorsqu'ils tournent, la force centrifuge pousse les balançoires vers l'extérieur. Et si tu décroches l'une des balançoires pendant qu'un manège tourne, elle s'envolera très loin. Le même phénomène se produit lors des collisions galactiques. Et il est possible que notre Soleil subisse le même sort que cette balançoire. Mais à notre niveau, la différence sera à peine perceptible. La vie sur Terre continuera à son rythme habituel. Le seul inconvénient est que notre ciel nocturne commencera à disparaître. Et avec le temps, il sera changé en un vide noir. La deuxième option, et la plus improbable, est que notre système solaire entre en collision avec une autre étoile. Dans ce cas, toute vie sur Terre sera anéantie, de même que si une étoile comme Gliese 710 s'écrasait sur le Soleil.